Bonjour à tous et bienvenue sur Rise of the Ronin pour une nouvelle aventure au pays du soleil levant. C'est le nouveau jeu de la Team Ninja qui on doit Lenio ou encore plus récemment Wolong, Fallen Dynasty que j'avais mais alors adoré. On va faire pareil, avec ce nouveau jeu, on va le faire entièrement ensemble. C'est un jeu cette fois-ci qui est en monde ouvert. Ça c'est intéressant. Je vous lance la cinématique d'introduction du jeu qui est magnifique et je vous invite comme chaque début de série, si ça vous plaît, à laisser un pouce bleu. Ça soutient, vous le savez. Merci à ceux qui y pensent. On découvre. Une intro qui, ma foi, donne vache envie. Allez, on est parti, et vous le savez, c'est une exclu PS5, donc on va forcément le comparer, jeu de samouraï oblige, à Ghost of Tsushima, qui est vraiment pour moi l'un des meilleurs jeux tout court. J'avais vraiment, alors vraiment adoré. Eh bien, sachez qu'on est sur deux formules bien différentes, hein, comme je le disais, jeu de la Team Ninja. C'est particulier, c'est vraiment centré sur les combats, sur le gameplay. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en mode performance sur PS5 pour profiter d'un jeu totalement fluide. On va choisir donc la difficulté, on a le choix entre aube, soleil couchant ou crépuscule. On part en soleil couchant, je pense que c'est le mode normal, hein, facile et difficile. Même si à mon avis, même la difficulté la plus basse, doit y avoir un peu de challenge. Forcément, Team Ninja. On est parti? Allez. Rise of the Ronin est une œuvre de fiction qui s'inspire d'une ère d'expansion du Japon. Tout au long de leur aventure, les joueurs feront la rencontre de personnages historiques et vivront des gan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 g. Trois siècles plus tôt, le Japon fut unifié par le shogunat Tokugawa. Il s'isola du reste du monde et, pour un temps, devint une nation prospère. Mais malgré l'apparente sérénité du Japon, un conflit couvait. Les daimyo, des seigneurs féodaux, étaient surveillés. Ces daimyo semblaient loyaux. Mais en secret, les braises du mécontentement étaient lentement attisées. Dans les montagnes de Kurosu, on forgeait des armes pour une imminente rébellion. Mais les hommes du shogun eurent vent de ce plan. Ils lancèrent de sanglantes représailles. Qu'un autre type d'arme était forgé à Kurosu, les dénommées lames secrètes. Experts des armes et de la furtivité, ces assassins anonymes étaient sans pareil au combat. Sous la tutelle de leur instructrice, la forgeuse, naquirent des duos de lames jumelles. Vite!
séparément remarquables, ensemble inarrêtables. Les lames jumelles sont à jamais unies par le destin. Et c'est maintenant, comme les jeux Nioh, qu'on va pouvoir créer notre personnage. Alors deux choses qu'on peut remarquer, déjà il y a la VF, très très bien. Et deuxième chose, c'est peut-être pas sur les graphismes qu'on va prendre notre pied. Dans ce jeu, mais bel et bien, le gameplay, les combats qui est vraiment au centre. Au niveau des personnages, parce que pour info, il faut faire un homme et une femme, nous allons rester sur les modèles de base. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, mais je préfère rester voilà, sur ces personnages parce que je trouve qu'ils sont beaux. Je trouve qu'ils sont bien et c'est ceux qu'on voit dans les trailers, dans l'introduction, donc je trouve que c'est mieux. Je vous montre rapidement ce qu'on peut faire. Alors on fait tourner le perso comme ceci, voilà, petite rotation. On peut également donc appuyer sur le stick gauche pour créer notre perso, donc soit de jour, crépuscule ou de nuit. Voilà, c'est pas mal, hein. On peut le remettre également au centre comme ceci. Donc au niveau de la base, on peut changer donc le type, donc homme-femme. Modèle prédéfini, donc là on a plusieurs choix. Honnêtement, mon préféré c'est le premier. C'est pour ça, hein, je vous le dis, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et vraiment, je trouve que le perso de base est très très bien par rapport à tous les autres modèles voilà, qui sont disponibles. Il y en a quelques-uns. C'est pas non plus hyper hyper complet. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des modèles qu'on avait dans Nioh déjà. Hein. Donc on va rester sur le tout premier. Au niveau ensuite, tu vois, on peut régler les angles des coudes, des genoux, la posture, etc. On a le choix. Moi, la première me va plutôt bien. Couleur de la peau, on peut choisir ça aussi, la texture, type de sous-vêtements, la couleur des sous-vêtements, donc c'est assez précis, il y a carrément le code couleur. Bref, au niveau du visage, on peut choisir la forme, donc tu vois, on peut ajuster le front, les pommettes, etc. etc. Bon, je vous passe un peu les détails, la forme de visage, l'âge apparent, les sourcils, les yeux, iris, les pupilles, le nez, les dents. Bref, on peut régler vraiment ça de manière très précise. On a également des modèles prédéfinis de chaque élément du visage. Mais bon, moi je suis pas un spécialiste, hein. Voilà, si tu veux de grosses lèvres ou alors quelque chose de très très fin, c'est possible. Mais honnêtement, comme je le disais, moi en tant que samouraï, je me vois très très bien avec ce modèle de base. Donc je vais vraiment rien toucher, je vais rester comme ça. Les cheveux également, voilà, si on a envie de changer la coiffure, la couleur, les pointes, etc. C'est vraiment, je le répète, assez précis. On a également de quoi faire au niveau de la barbe et de la moustache, ça c'est bien. On a du maquillage, bien sûr, contour des yeux, fard à paupières, rouge à lèvres, du fard, etc. etc. Vernis à ongles, j'en passe et des meilleurs. On peut choisir donc sa taille, la taille de la tête, le poids, les muscles. Alors, il est déjà plutôt bien doté, c'est très bien. Décoration corporelle, on peut lui mettre un tatouage de la street, non? Ça ferait un peu bizarre. La voix, alors on peut choisir type 1, type 2, on peut les écouter. Hein. Allons-y. Allons-y, démonstration. Deuxième voix. Allons-y. Alors je préfère la première, après il n'y a pas beaucoup de différence. On peut changer la hauteur, donc vous le savez, plus ou moins grave. A vous de voir, moi je vais rester sur la voix standard, comme ça au moins je suis sûr que la qualité est bonne, parce que parfois ça fait vraiment voix trafiquée, tu vois, quand tu changes la hauteur. Et en tout cas, on peut sauvegarder donc les réglages, tu vois, de la personnalisation de notre perso. Après on a un code et on peut effectivement le partager. Ok ? On passe à la suite, on termine donc les réglages de notre premier perso et le deuxième, qui est bien sûr la demoiselle. Alors pareil, hein, vraiment de base, je la trouve très très bien, donc je ne vais absolument rien toucher, comme ça en plus on gagne un peu de temps. Ok, on continue avec ces persos, ça ira très très bien. Par contre là, attention, c'est important. Créez vos lames secrètes, tout comme les forgerons affûtent leurs lames, les forgeurs affûtent les lames secrètes dont ils ont la charge. Choisissez un affûtage d'origine pour connaître les capacités initiales et les compétences spéciales de vos lames secrètes, ainsi que leurs armes de prédilection. Alors là, on a le choix entre tueur, briseur, séducteur, espion, novice, ou alors aucun affûtage si vraiment tu te sens l'esprit guerrier, quoi. J'ai hésité entre briseur et tueur, l'un c'est la force, l'autre c'est la dextérité. On voit également qu'on a les armes recommandées et une compétence spéciale. Celle du tueur m'intéresse vraiment, c'est le renvoi des flèches et des balles. Que la force soit avec nous. Alors oui, je sais qu'à la vue de ces premières images, la plupart d'entre vous se disent « Le jeu n'est vraiment pas à la pointe visuellement. » Et c'est vrai. Mais l'essentiel, les amis, n'est pas là. C'est le gameplay qui compte. Ce sont les combats. Et je sais qu'il y aura aussi de l'infiltration. Hâte de voir ça. Suis-moi. Avec plaisir.
Le village des lames secrètes. Rejoignez la forgeuse. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là. Touchez la bannière. Préparation, combat, d'accord, c'est les checkpoints. Équipement, téléportation. Ouais. Interagissez avec une bannière des lames secrètes pour récupérer vos PV et vous réapprovisionner en pilules médicinales et en projectiles. Attention, cela fait aussi réapparaître des ennemis vaincus, évidemment. Quand vous perdez tout vos PV ou quand vous relancez le jeu, vous retournez à la dernière bannière des lames secrètes avec laquelle vous avez interagi ou au dernier point de contrôle franchi. Bien reçu. C'est important. Oh, des poules. Alors c'est vrai que le jeu techniquement n'est vraiment pas à la pointe. En revanche, avec moi le Japon, ça match direct. À chaque fois, c'est le dépaysement le plus total. Ça sent l'entraînement. Quelle arme choisis-tu ? Alors, je suis un tueur. J'excelle donc en force. À me recommander katana et odachi. Tant on dirait que je suis italien, quoi. Donc nous avons ici Naginata. Ouais, le katana qui est là, donc on va le tester. Mieux vaut t'équiper d'une arme qui te convient. Ça, c'est bien vrai. Attaque normale. Donc carré, en avançant, donc on pointe avec le stick et carré et on maintient. D'accord, pour un coup chargé. Appuyez de nouveau sur la touche pour déchaîner un barrage d'attaque. Toutes les attaques nécessitent du ki, lequel est représenté par la jauge bleue. Attaquez des ballots de paille pour vous entraîner. Ok, eh ben allez. Alors on peut loquer comme ceci. Voilà, on tourne autour et c'est parti. Ah ouais. On retrouve bel et bien le gameplay à la Nioh. Qui va être à mon avis très précis. Estocade. Très bien. Et attaque chargée comme ceci. Joli, il se retourne. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la lance. Alors je pense qu'on peut tester un peu toutes les armes à mon avis. Celle-ci, surtout prends bien le temps d'apprendre à la connaître. La lance a l'air cool, mais c'est vrai qu'on va plutôt partir sur l'arme qu'on nous a conseillée par rapport à la classe que l'on a choisie, à savoir l'Odachi. Qui a l'air bien plus lourd. Ah oui. C'est du costaud, ça fera plus de damage, à mon avis. C'est un peu plus lent, mais ça va, je m'attendais à encore plus lourd. Franchement, pas mal, bonne combinaison. Pour l'instant, je vais rester sur mon arme légère. Je pense que ce sera plus facile. Mais effectivement, on pourra switch entre les deux. C'est parfait. Cette arme te convient alors ? Tout à fait. On peut y aller ? Bien, allons-y. À mon avis, l'entraînement ne fait que commencer. Est-ce qu'on peut courir ? Alors attendez. Rang gagné, dégainé, donc R1 plus le stick droit. Ok, ça marche bien. Bon, il y aura l'histoire des postures aussi, bien sûr. Ah bah voilà, c'est rond. Oula, il est rapide. bonjour. Ah d'accord, c'est ce qui me semblait. Je ne retiendrai pas. Alors la parade, c'est L1. On peut également, hop là, esquiver comme ceci avec rond. Alors est-ce qu'on aura le contre centre rapide, tu sais, avec le petit rond qui passe en rouge, comme dans Nioh. Ce serait pas étonnant. Allez. Attaque lourde. Pas réussi. Ah ouais. T'as vu, il brise ma garde. Intéressant. Ok. Allez, ça dégage. Pas mal, hein. Bon, je me suis laissé toucher quand même. Pour pas que tu te sentes trop nul. Alors, appuyez sur les flèches pour utiliser les objets assignés à vos arsenaux. Les pilules, là, permettent de récupérer des PV. Ok. Miam, miam. Très bien. Donc, c'est bon, je suis à 100% au niveau de la ville, hein. Allez, ma poulette, on avance. Oh, le gros macho. Alors, tu viens ou pas ? J'arrive. Et je te pousse, en plus. Alors, on peut s'accroupir, d'accord. Compétence martiale. Maintenez R1 plus carré ou triangle. Utilisez du ki pour lancer de puissantes attaques. Chaque compétence martiale a des caractéristiques spéciales et peut être modifiée en appuyant de manière répétée sur la touche ou en maintenant cette dernière. Équipez, épuisez du moins le ki d'un ennemi en utilisant des compétences martiales ou d'autres attaques. Une fois la posture de l'ennemi brisée, il ne peut plus se déplacer et vous pouvez lui porter des coups dévastateurs. Admettons. Ah oui d'accord, il se protège comme ça avec les, avec ses deux armes. D'accord, donc faut le fatiguer avec la compétence spéciale pour commencer. C'est parti. Ah oui, c'est la jauge bleue. D'accord, c'est la jauge bleue en dessous effectivement de sa jauge de vie. Mais je pense qu'on peut le fragiliser simplement comme ça en attaquant normal, non ? Quoique. Non, on va le fragiliser vraiment plus comme ça. D'accord, par contre c'est un petit peu long. Et en plus, il attaque à m'attendre, je suis en entraînement, là. Allez, encore un effort. Voilà. Là, maintenant, il est fragilisé. Pas évident. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi? Pareil, une pilule? Ouais. On va se soigner. Bon, j'avais pas perdu grand-chose, mais enfin, bon.
histoire d'être au complet. D'accord, donc attaque spéciale, carré ou triangle. Sprintez, maintenez puis relâchez rond. Ah. On maintient. Et comme ça, il sprint automatiquement tout le long. D'accord, et on rappuie donc pour remarcher. Très bien. Plutôt facile de prise en main. On lève la bannière. Ok. Oh là, ça sent le duel de boss. Sous cette arme magnifique. Bien, commençons. Croisez le fer. Montrez-moi ce que vous avez appris. C'est moi qui l'emporterai, c'est tout. Contre-éclair. Utilisez un contre-éclair pour parer et neutraliser les attaques ennemies. Contre-éclair, donc c'est triangle, d'accord. Parer des attaques avec des contre-éclairs fait temporairement paniquer les ennemis, ce qui vous offre la possibilité de leur infliger d'importants dégâts. État de panique d'un ennemi est indiqué par une jauge rouge. Ok, montre-moi rapidement. Ah ouais, le contre comme ça, c'est magnifique, hein, vraiment. Allez, on va essayer. Non, pas comme ça. Comme ça, c'est mieux. Encore, attaque ma grande. Oh, j'adore. Oh là là, mais quel timing. Trop trop fort. Allez, hop là. Et après, je peux y aller. Contre-éclair enchaîné. Vous pouvez parer les attaques consécutives d'un combo ennemi avec des contre-éclairs. Ok, notez que parer une seule attaque d'un combo ne fait pas paniquer l'ennemi. Au lieu de tenter de parer toutes les attaques, il peut être préférable de les bloquer. Ok, je regarde la petite vidéo, hein. Ouais, on peut les bloquer comme ça et à la fin, bim, tu fais un contre-éclair. On va essayer. Allez, 1, 2. Ah, un petit peu trop tôt, tu vois. Encore une fois, trop tôt. Incroyable. C'est mieux. C'est bon. Ça demande un peu de concentration. Ki ennemi, le meilleur moyen d'épuiser le ki d'un ennemi est de commencer par réduire le ki maximum de cet ennemi. Faites paniquer les ennemis avec des contre-éclairs, puis attaquez-les pour réduire grandement leur ki maximum, ce qui vous permet d'épuiser plus facilement leur ki. Dans cette situation, les compétences martiales sont plus efficaces que les attaques normales. Ok. Voilà, la petite attaque éclair, et après, bim, on envoie la spéciale. Ok. Je connais tes techniques. Il va falloir faire mieux. Je me suis craqué. Allez. Raté. C'est quand tu veux. Et on y va. Attaque spéciale. Je l'ai un peu coincé dans le coin. Coup critique. Triangle quand la posture d'ennemi est brisée. Épuisez l'intégralité du ki de vos ennemis pour briser leur posture, ça on sait. Ensuite, une fois que l'icône de verrouillage a viré au rouge, vous pouvez effectuer un coup critique susceptible d'infliger des dégâts importants. Allez, maintenant. Voilà, triangle. Secourir. Alors, maintenez R1 à côté de votre partenaire au sol. Bah non, je veux pas, moi je suis radin. Je déconne. Allez, un petit soin pour toi. Elle en a pas encore assez? Bien, bon travail. Ah voilà, je préfère. À présent, vous allez m'affronter à 2-1. Oh mais quelle surprise! Eh ben c'est parti! Et... attention. Voilà, le petit contre-éclair. C'est parti, attaque spé. Tu peux gémir autant que tu veux, mamie. Allez. Oh, c'est beau. C'est pas mal, hein. Eh, mais c'est Yoda, en fait. C'est pas évident contre elle d'avoir le bon timing, je trouve. Elle m'a contré. Ok, bien joué. Binôme de lame secrète. Vous pouvez passer d'une lame secrète à l'autre à tout moment, changer de lame secrète contrôlée. L1 plus... Ah d'accord, on peut switcher sur l'autre. En changeant de perso, vous pouvez vous adapter aux aléas du combat et renverser la situation à votre avantage. Ok. Là, je switch. Le travail d'équipe est la clé de la réussite. Ah, c'est pas évident, hein. Ah, attendez, laissez-la jouer un petit peu. Faudrait que j'essaye de... faire un contre-éclair. Allez. Mamie. Voilà. Vas-y, encore un effort. Yes. Ok, je rechange. Compliqué, les gars. Putain, j'ai beau y aller à fond, hein.
Allez. 1, 2. Ah, j'arrive pas, hein. C'est fou. Encore un effort. Yes. Ça y est, quand même. Oh la vache. Elle est super forte, hein. Choqué. Ce sera tout pour cet entraînement. Je vais vous assigner une nouvelle mission. Les navires noirs d'Amérique ont jeté l'ancre dans le port de Yokohama. Infiltrez-vous à bord et volez le message secret que détient le Commodore Perry. Et si l'occasion se présente, tuez Perry. Compris ? Ah, il y aura des choix aussi. Quel message secret ? Vous osez interroger votre maître ? D'accord, si vous insistez. Le shogunat a passé un accord avec les Américains. Cela justifie amplement que nous frappions. Notre clan a longtemps attendu ce jour. Le jour de notre entrée en guerre avec les Tokugawa. Vous avez vos ordres. Aucun échec ne sera toléré. Êtes-vous prêt à partir pour les navires noirs ? Bien, je sais que je peux compter sur vous. Partez. Laissons le bateau ici. De nuit comme ça, ça fait un peu le bateau fantôme. Alors, on a le choix entre les deux, pareil. Allez, de toute façon, on va jouer ensemble. Début de la mission. L'infiltration du navire noir en 1853. Eh bien, écoute, c'est parti. Toucher la bannière. Ouais. D'accord, équipement. Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Menu équipement, les armes, les armures et les accessoires sont équipés dans des emplacements spécifiques. Ok, L2 pour plus de détails. Combinaison sauvegardée, ok, comme d'hab. Hein. Donc, arme principale. Je pense pas que pour l'instant on ait autre chose, hein, mais. Ah, si. Ah, d'accord. Odachi, par exemple. Ouais. Admettons le deuxième. Ah, mais c'est celui-là. Ok, donc là, on voit tout ce qu'on a comme arme. Bon, il n'y a pas mieux pour l'instant. Allez. Je touche pas plus. Est-ce qu'on utilise le grappin pour aller plus loin? Attendez, je suis peut-être con, mais comment on y va? Je vois pas tellement d'autres solutions que d'y aller comme ça, hein. À la nage. Ou alors avec le grappin. Mais ça m'étonnerait. Alors, nage rapide. Ok, on peut plonger aussi. Oh, des poissons. Super. Alors, faut remonter parce que je vois qu'on a une jauge de respiration, bien sûr. Assassiner les guetteurs. Ok, bon, c'est la nuit, donc on sait pas trop repérer facilement. Verrouiller, changer de cible. Verrouiller la caméra sur un ennemi permet de les combattre plus facilement. Cela affiche également ses PV et son ki. Ok. Oh, on va essayer de les prendre par surprise. Donc voilà, on lock comme ceci. Attention. Remontez à la surface, approchez-vous discrètement un ennemi, appuyez sur triangle. Et... maintenant. Oh, génial, j'adore. Ne l'oublie pas. Nous ne faisons qu'un. Ça me rappelle... le Roi Lion. Ah, mais je me souviens de cette séquence, on l'avait déjà vue. Les devs l'avaient partagée. Bah ouais. C'est bien cool, hein. Là, par contre, on est repéré, c'est sûr. Hein. Type d'ennemi. Les différents types d'ennemis sont indiqués par des icônes. Ennemi normal, ok, donc il y a des grades. Adversaires redoutables. Les adversaires redoutables sont parfois les chefs de certains groupes d'ennemis. Si vous battez le chef d'un groupe, ce groupe ne réapparaît pas lorsque vous interagissez avec une bannière. Oh, intéressant. D'accord. Allez, c'est parti, les gars. Oh, attendez, on va esquiver parce que là, ils sont chauds, hein.
Est-ce que je commence par le petit? Ouais, je prends le petit, moi. Ah ouais. Oh, ça va être dur, hein. Déjà, rien que le petit, je serais content. Ok, c'est géré. Maintenant, le gros. Allez, amène-toi, vieux. Ouais, j'ai pas encore le timing pour le contre-éclair. Oh, suffit de demander. Ouais, c'est pas facile, hein, quand même. Allez. Bien joué, on enchaîne. Il est costaud. Putain, comme il pisse le sang, quoi, c'est incroyable. Évidemment, c'est que le début du jeu, hein, faut qu'on s'y habitue. Estocade. Joli. Trouver la cabine du Commodore. Qu'est-ce que tu as pour moi, toi? Une pilule. Et lui, là-bas, il m'avait rien donné, il me semble. Alors, ici, nous avons la bannière, comme ça, au moins, ça save. Parfait. Ok, pour l'instant, le système de combat me plaît beaucoup. Hein. On retrouve vraiment des sensations à l'agneau, comme je le disais, c'est assez grisant. Et donc, où serait sa cabine? Ah bah, je vois l'objectif juste en dessous. Mais par où passer? Là est la question. Ah mais ok, c'était vers la bannière. Et là, on descend. Oh, j'aime bien. Il descend avec classe. Oula, attention. Là, à mon avis... Voilà. Vos ennemis vous repèrent et vous attaquent s'ils vous entendent. On peut s'accroupir, marcher en inclinant légèrement le stick. Cela vous permet de vous déplacer en silence. Et donc, on doit le tuer avec la touche triangle. Très très bien. Approche on y va. Derrière, et l'autre qui parle super fort. Eh mais chut. J'avance doucement. Et ensuite, je tue. Oh là là. Joli. Oui madame. Alors attention, c'est pas fini. Hein. Il y en a un autre par là. Alors on peut le loquer aussi, hein, bien sûr. Et... Hop là. Joli, ça évite bien effectivement de prendre des risques. Un jeu d'enfant. Il y a un rat. Toi aussi t'en veux. Alors je suppose qu'on remonte par ici. Voilà, on suit l'objectif. Hein, de toute façon, on se pose pas trop de questions. Ok, j'en ai un au fond. Oula. Ajouter les affinités. Parer certaines attaques, telles que les coups de feu, avec un contre-éclair. Ah, voilà. Enflamme temporairement votre arme. Cela permet ensuite d'enflammer les ennemis que vous attaquez. Démonstration. Ah ouais, d'accord. Faut vraiment le faire pile poil quand il faut, quoi. Je pense que c'est vraiment au dernier moment. Trop tard. Toujours pas. Attends, mais c'est dingue. C'est trop chaud. Ah bah j'arrive pas à écouter, hein. Peut-être un petit peu avant que ça arrive. J'appuie peut-être trop tard. Ouais non, je pense que j'appuie trop tôt, hein. Bon bah laisse tomber. Je comprends pas. Allez. Moi je verrai ça plus tard, c'est pas grave. Hein. Ce n'est bien sûr qu'un détail. Allez. Grosse attaque. Voilà, on va le fragiliser un petit peu. Estocade. Oh, joli. Alors, j'ai obtenu un fusil. Ok. Bon, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser, mais on verra plus tard. Les fusils, quoique, peuvent être bruyants, mais ils permettent d'effectuer de puissantes attaques à distance. Quoique, on va le tester maintenant, remarque. Les tirs dans la tête infligent des dégâts bien plus importants. Ah bah oui, bien sûr. De loin, ça peut être bien. Ah mais d'accord, mais c'est en plus des deux armes, bah oui. Et on voit qu'on a 7 munitions. Est-ce que t'as un zoom? Bien sûr que oui. Oh génial. Oh, c'est trop bien. Et bim! Bon, bien sûr, par contre... Je l'ai eu? Alors, je l'ai pas tué, mais il est au sol, hein. D'accord. Waouh, la tête qui a explosé! Énorme. Ok, mec. Qu'est-ce que tu viens là, toi? Descends tout de suite. Bon, allez. Oh, c'est le bordel. Attendez, je m'écarte un petit peu. Allez, maintenant. Il lui reste plus grand-chose. Oh, c'est tellement plaisant. Par contre, il y a du démembrement, hein, vous le voyez. Ça, je pense que ça plaira à beaucoup de gens. Et c'est un peu violent. Je sais même pas si j'ai le droit de les laisser vraiment actifs sur YouTube. On verra bien. Ah, il a brisé ma garde. Ah ouais. Maintenant. Joli, on forme un super duo, ma grande. Waouh. Oh, la tête qui est partie. Incroyable. C'est une violence. Ok, bon, ça c'est bien. On va avancer de ce côté. Toujours et encore. Oh non! En plus, il m'aurait tiré dessus. Voilà. Enfin, j'ai réussi un con. C'est pas facile, hein, vraiment.
Oh là là, mais ça rigole zéro. Oh. Les membres qui partent, là, la tête, ça vole. Allez. Bon, on va avancer. Par contre, je m'inquiète effectivement par rapport à ça. Je me dis, est-ce que j'ai le droit, comme je le disais, de le laisser ainsi? Bonne question. On va avancer doucement ici. Voilà. Alors, il me semble que dans Ghost of Tsushima... Oh, joli. Que dans Ghost of Tsushima, il y avait également du démembrement, mais peut-être pas au début du jeu. C'est peut-être plutôt vers la fin, vraiment, quand on était un samouraï accompli. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose? Bah, faut aller par là, hein, de toute façon. Allez, on lève la bannière. Alors, mon gameplay est encore un petit peu approximatif. On s'habitue au jeu. Nous y sommes. Alors, ici, on ramasse. La clé de la cabine du capitaine. Très bien. Rapport de Perry. Et on continue par là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain challenge, hein, tu le ressens bien. Certes, c'est plus accessible, mais c'est pas non plus hyper simple. Nous avons un sabre. Ouais, faudrait que je vois éventuellement s'il y a des armes qui sont mieux dans ce que je récupère. Sélectionner équipement. Vous pouvez ensuite changer d'arme principale, ok, d'arme secondaire. Changer d'arme principale, très bien, ça on sait. Bon. Apparemment, c'est mieux que ce que j'ai. Alors attendez. On va aller voir le menu d'ailleurs. Donc là, on a la carte. Bon, actuellement, c'est un bateau. Hein. Équipement. Alors, est-ce que je peux changer 32 contre 36? Ouais, c'est intéressant. Hein. On essaie le sabre? Allez. Par contre, il me semble, c'est vrai que le katana, c'est conseillé par rapport à ma classe. Si je dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas si je fais pas une petite bêtise, là, en changeant. On verra bien. Cette baleine blanche qui est échappée aux autres. Mais j'ai les idées claires. Et mon harpon est prêt. Meurtrier. Il a une classe celui-là, compétence martiale ennemie. Pour éviter les compétences martiales des ennemis nains B d'une aura rouge, vous devez réussir un contre-éclair parfaitement synchronisé. Certaines compétences martiales sont très difficiles à parer avec un contre-éclair et d'autres ne peuvent pas être bloquées en vous mettant en garde. En conséquence, esquiver est parfois une stratégie plus efficace. Alors montre-moi, ouais, ah ouais c'est bien rouge. Le timing doit être serré en effet. On va plutôt esquiver les gars. Oh la vache. Ok. Oh oui. Utilisez le grappin au combat. Vous pouvez utiliser votre grappin comme une arme quand vous verrouillez un ennemi. De plus, certains objets tels que les tonneaux explosifs peuvent être lancés sur les ennemis. Lancer le grappin sur un ennemi, donc c'est R2. On maintient R2 pour lancer un objet. Et on voit effectivement le petit logo bleu. Tiens, j'en ai encore un autre pour toi. Je l'ai raté. C'est terrible. Ok, j'ai encore une autre surprise. Oh, on peut la tirer. Excellent. Voilà, le petit contre qui va bien. Ah bah d'accord, il est méga rapide. Oh, j'ai même pas eu le temps d'esquive. Insane les gars. Tiens, prends ça. Incroyable, allez fonce. Non non mais faut pas trop y aller. Le fait est que là je veux trop attaquer, tu vois. Faut pas être autant offensif. D'accord, je suis mal, attends, je passe sur elle. Faut essayer de prendre l'avantage les gars. Tiens. C'est incroyable. Allez, viens. Voilà. Nickel. Là, on l'a bien fragilisé déjà. Niveau vie, on est pas trop mal. Attends, par contre, ce que je devrais faire, c'est repasser sur l'autre. Prendre un petit soin. Voilà. Je sais pas s'il me reste des objets. Oh, j'ai pas réussi à le renvoyer, dommage. Maintenant. Tout va bien les gars, je gère.
à peu près. Je reprends un petit soin pour être sûr. Arrêtez d'attaquer ma copine. Ouais, c'est vraiment Tandax, hein. Yes. C'est bon. C'est l'heure de l'achever. Je ne peux pas vous laisser le tuer. Mais qui es-tu? Le démon bleu. Oh mon dieu. Allez. Nouvelle rencontre. Oh, comme il est rapide. Je sais plus où j'habite. Dis-moi, ne serait-ce pas un peu scripté? On ne peut pas gagner. Vous êtes en deux. La lame secrète. Vous existez bel et bien. On raconte qu'une lame secrète peut sacrifier son partenaire par devoir. Alors qui de vous deux sera le sacrifice? Ah ouais, carrément. Ah, mais voilà, c'est l'un ou l'autre. Vous voulez vraiment choisir ce protagoniste? Oui. C'était la seule chose qu'il restait d'elle. Nous ne faisons qu'un. Ne l'oublie pas. Ça me semblait bizarre aussi qu'on ait deux persos. Rejoignez la forgeuse. D'accord. Attends, mais c'est la même zone. Ah oui, sauf que c'est en feu. Oh mon dieu. C'est toi. Allez, viens. Ah bah d'accord. Allez, hop là. Attaque spé. Ça va être incroyable. Comment c'est dur. La vache. Ça, on esquive. Ok, ça va. C'est vrai qu'au début, j'ai récupéré un shuriken. D'accord. Les shuriken peuvent être lancés rapidement l'un après l'autre. Ça me va. R1, arme secondaire. Ah oui, c'est vrai qu'on a le fusil. C'est vrai, mais du coup, on va essayer les shuriken. Lancer juste avec L2. Ah d'accord, j'en ai bouffé un pour rien dans le vide. Tiens. Y'a un loup, les gars. C'est quoi ce bordel? Ouah, attends, on m'attaque de derrière, c'est quoi ce... Quoi? Attendez, mais je suis contre un loup et deux mecs. Vous êtes pas sérieux? C'est... Non... C'est pas sérieux ça. Pas du tout, attends, j'envoie tous les shurikens. Ah bah c'est bon, j'en ai plus. Quelle tristesse. Attendez, bon le loup, je m'en débarrasse vite fait, apparemment c'est le plus faible. Ah mais je pensais pas qu'on aurait plusieurs ennemis directs moi, oh. C'est des malades. Shiburui. Immédiatement après une attaque, cela élimine les taches de sang et vous permet de récupérer du ki. Plus il y a de sang, plus vous récupérez de ki, utilisez-le entre deux attaques pour effectuer diverses actions. Chaque coup porté avec votre arme principale augmente la quantité de sang qui la couvre. La jauge sous l'icône de l'arme principale indique à quel point votre arme est couverte de sang. D'accord. Je vois. Alors c'est pas simple d'emblée comme ça, mais d'accord. Ah oui. Bon, je suis mort. Fallait passer par là. Rituel de passage. On va changer d'optique parce que là ça me paraît un peu compliqué d'y aller comme ça tête baissée. Alors on peut leur tirer dessus avec le fusil, ça peut être bien. Là on est sur les shurikens, mais le fusil vraiment, ça avait l'air plutôt efficace. Attends, je vais y aller en douceur. Voilà, on peut l'avoir par derrière ici. En contournant. Là je peux récupérer quelques petites ressources. Tant qu'on y est. Doucement hein.
On incline légèrement le stick vers l'avant, on lock. Et t'es mort. Eh, y a un petit côté tanchu, les gars, là. J'aime bien. Alors, on est bel et bien sur le fusil, normalement. Je peux le one-shot. Vous allez voir, c'est incroyable. Et voilà, il est mort. Lui, par contre, j'ai tiré à côté. C'est compliqué, tu vois, quand ils sont en mouvement. Mais c'est possible. C'est bon, ça. Tiens, on repasse sur les shurikens. Attends, est-ce que tu es bien mort, toi? Je préfère quand tu es au sol. Ah, par contre, ils sont pas généreux. Hein. Ils ont rien pour moi. Oh, le voici, le voilà. Est-ce que lui aussi, je peux le one-shot? Eh, viens. Ouais, il me tire dessus, l'autre. Allez. Il me semble qu'il avait une vie assez, assez faible. Oula, mais ils sont plusieurs. Ok, je me taille. Zut alors. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de rien faire là, de réagir. Ah, y'a pas de doute, hein, on est bel et bien sur un jeu exigeant quand même. D'accord, ça envoie, vas-y. Attaque mon grand. Mais pas celle-là, bon dieu. Oh mais vas-y, comme ils enchaînent de ouf. Il va falloir quelques heures, je pense, pour vraiment bien rentrer dedans. Ok, l'estocade qui fonctionne. Et alors, lui au fond, là, il arrête pas de m'envoyer des projectiles. J'aimerais bien en envoyer au moins, mais j'ai l'impression que ça va pas être possible. Tant pis. Bon, pour les projectiles, je finirai bien par trouver le timing. Hein. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est cool. Je reprends un peu de soin. Il m'en reste combien? Il m'en reste 5. Ah, c'est un enfer pour l'instant, mais c'est super cool. Hein. Tu sens qu'il y a un potentiel énorme de maîtriser ce gameplay, mais premier abord, c'est dur. Ok. Allez, viens par là. Je t'attends. Oh là là, mais c'est pas vrai. Quand il saute en plus. Allez, vas-y. Ah oui, bien joué. Yes. Le finish. Incroyable. C'était magnifique. Alors qu'est-ce que tu as pour moi, toi, une pilule? Vous osez défier le Shogun? Votre clan est condamné. C'est ce qu'on verra, mon ami. Putain, c'est incroyable comment c'est dur. Mais tant qu'on survit, c'est bon. Alors c'est marrant par contre parce qu'on refait exactement le même chemin que pendant l'entraînement, sauf que là forcément, c'est un entraînement réel si je puis dire. Allez. Putain, j'ai bien fait de sauter par-dessus, hein, sans le vouloir avec le coup spécial là. Ah la vache. Ah oui, c'est vrai que c'est R2 hein, pour le shuriken, pardon. Allez. Je frappe dans le vide, tout va bien. Allez. L'autre est plus faible, hein. Je pense qu'on va plutôt focus sur lui. Yes, comme ça, 1v1. Allez. Oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Le petit soin. Voilà. Allez. Faut y aller, faut y aller. Trop tôt, hein. Les contre-éclairs sont pas bons, les gars. Attendez, mais 2 secondes! Oh, c'est pas vrai! Voilà! Allez, quand vas-tu apprendre que tu n'as aucune chance? Trop tôt! Yes! Maintenant! Joli! Oh là là, alors je sais pas si vous le sentez, mais je suis en souffrance. Hein. J'adore, mais je suis en souffrance. Allez, on avance. J'aurai un peu de soin, il m'en reste encore 5, ça va. Hein. Heureusement, on nous enfile beaucoup. Allez, maintenant, bien sûr. On le sait, c'était la Mami Yoda. Et là, ce sera un véritable boss. Tu peux en être sûr. Bon, bah, ça y va quand même. Hein. Petite bannière. Parce que sinon, après, je risque de me tirer une balle. Ok. Niveau arme, il me semble que j'ai rien de nouveau. Hein. Donc, de toute façon, on y va comme ça. Hein. Oh, mais ils sont combien hein? Allez, viens par là, toi. Allez. Je pensais avoir réussi à esquiver, pas du tout. Oh bah ça va, je suis avec mamie. Oula, oula. D'accord, c'est pas fini. Allez.
résiste. Oh, c'est joli ça. Enfin, j'ai réussi à faire un truc sympa. Là, un petit peu moins. Allez, vas-y. Le timing est vraiment pas simple à choper. Et ceux-là, les attaques rouges, bonjour. Hein. Franchement, pour les esquives, ok, mais pour les parer, faut se lever de bonne heure. Tiens, petit shuriken. C'est bien ce que je soupçonnais. Tu veux abandonner le clan et partir à sa recherche. Elle est encore en vie. Il faut que je... As-tu oublié le code ? Et c'est maintenant que l'élève dépasse le maître. Enfin, en principe. Vous êtes sûr que le jeu est véritablement plus accessible? J'ai un doute, hein. Oh là 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 là. Je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. Tu t'es bien battu. Tu es digne de la lame secrète. Allez, c'est reparti. C'est hyper dur, hein, vraiment. Allez, on attaque gentiment. L'important, c'est d'y croire. Ça, par contre, faut l'esquiver absolument. Petite roulade. Oh non, mais elle enchaîne les rouges. C'est incroyable. Oh, il y en a une qui est quand même plus dure que l'autre. Hein. Du mal vraiment avec le contre-éclair. Ah mais ouais, du coup, attendez, pour recharger. Tiens, prends ça toi aussi, mamie. Ah oui, ça remplit effectivement quand même quand t'appuies sur R1 après un coup. Ça remplit vachement l'endurance. C'est intéressant. Ok, l'esquive, bien joué. Oh, elle contrôle tout. Elle est incroyable. Me soigne. On esquive. Celle-là, à chaque fois je me la prends, c'est terrible. Bon, elle a perdu la moitié de sa vie, c'est bien. Allez, viens. J'ai connu des mamies plus sympas. Estocade qui est raté, qui est contré. Ah, j'ai failli pouvoir contrer là. Ok. Faut prendre le temps, les gars. Des fois, quand t'es pas sûr, le mieux, je pense, c'est l'esquive. Hein. Attendez. Quoi? Normalement, t'aurais dû esquiver. Allez, petit shuriken. J'ai plus, ok, je change. Le petit gun. Tiens, mamie. Ouais, c'est pas vraiment très légal après, j'avoue. Mais bon, je me sers de tout ce que j'ai. Sauras-tu te battre sans ta moitié ? Faut prendre la vie un petit peu. J'étais quasiment mort. Oh non, mais à chaque fois elle l'enchaîne. En plus, je le sais, les deux rouges enchaînés tout le temps. Non mais vraiment, les contres... Oh, mais... Incroyable, hein, comment c'est dur à placer. Bon, on n'est pas encore habitué aussi, c'est pour ça. Allez, vas-y. Non, pas celle-là. Allez, elle est presque. Allez, presque. Tu ne veux pas en finir. Ta faiblesse te perdra. Tu n'as vraiment pas changé depuis que je t'entraîne. Mmh.
j'ai perdu ma lame jumelle. J'ai dû apprendre à survivre dans la douleur. Va, réussis où j'ai échoué. De l'arbre géant pour échapper aux hommes du shogun. Allez, allez! Soyez le bienvenu dans Rise of the Ronin. Et donc ça y est, je pense qu'on aura accès à l'open world, là on était vraiment dans la phase de tuto du jeu. Et déjà on a souffert. Alors, émancipation, le pont de Yokohama. Terminé le prologue, ouais c'est bien ça. Nouvelle étape atteinte, niveau trophée supérieur. Alors vous pouvez abandonner la mission de zone active ou changer le niveau de difficulté, d'accord, j'ai pas le temps de lire, merci beaucoup. Allez à Yokohama. Ah bah voilà, ça y est. Le monde ouvert, les amis. Ça fait du bien. Tiens, attendez, à mon avis, est-ce qu'on peut récolter ce truc? Voilà. Tu vois, quand c'est en surbrillance, en général. Vous avez obtenu un matériau. Vous pouvez utiliser des matériaux chez les apothicaires pour fabriquer des remèdes, des pierres et d'autres objets altérant les stats ou l'état. Les forges peuvent améliorer votre équipement et transférer des effets spéciaux d'une pièce d'équipement vers une autre. Vous pouvez obtenir des matériaux via les plantes et les gisements, mais aussi en désassemblant de l'équipement. D'accord. Merci pour l'info. Eh ben allez, je rappelle qu'on peut courir. Hein. Est-ce qu'on aura des montures? Bah oui, normalement oui. Hein. J'attends de voir un cheval, et je monte dessus directement. Ah, ça y est, la liberté enfin, ça fait du bien, parce qu'on était vraiment sur des zones. Bah pour le coup, à la Nioh, tu vois, très cantonné, toujours très linéaire. Là, c'est autre chose. Vraiment. Ouah, mais ils sont gigantesques ces lapins. La vache. Vous voyagez, j'imagine. À votre place, j'éviterai le prochain village. Des bandits en ont fait leur repère. J'ai fait tout ce chemin pour vendre mes produits. Je ne sais plus quoi faire. Le poste de contrôle est au bout de la route en plus. Pourquoi ne font-ils rien? Si vous voulez y aller, prenez ceci avec vous. Cela devrait au moins distraire les bandits. Putain, c'est bizarre, on a un dialogue comme ça, y a même pas de caméra qui se rapproche du perso. Boule de terre cuite, lancez une boule de terre cuite pour faire du bruit et attirer l'attention des ennemis proches pendant un court instant. Donc préparez, lancez. Ok. Eh bien allons-y. Par contre, on les voit pas de très très loin les ennemis. Hein. Dis-moi, on a shuriken machin. Zut. Attends, mais du coup, pour switcher sur la terre cuite, on fait comment? J'ai pas capté. C'est pas grave. Ordre public, les zones soumises aux fauteurs de troubles souffrent d'une perturbation de l'ordre public. Elles sont indiquées par l'icône dans menu carte. Battre tous les fauteurs de troubles dans une zone dangereuse renforcera votre lien avec la zone concernée, permettra à ses habitants de se déplacer librement et vous rapportera des récompenses spéciales. Vous ne pouvez utiliser aucune bannière des lames secrètes dans ces zones tant que l'ordre public n'y a pas été rétabli. Ok. Bon, on y va. Hein. Messieurs, bonjour, messieurs, dames. On se croirait dans un western un peu. Donc à 5 ennemis, battez les adversaires redoutables. D'accord. Ah, il en fait partie, je suppose. D'accord, shuriken.
Allez, sors ton arme. C'est comment déjà? Je sais plus. Bah comme ça, elle est sortie, voilà, c'est bon. Allez, le pied contre. Allez. Joli. Par contre, les adversaires redoutables, c'est... Il n'y en a qu'un seul, hein. Ça va, du coup. Allez, on va les chercher. Ce sera plus simple de s'habituer au système de combat face à des ennemis de niveau normal, hein. Parce que c'est vrai que là... Là, on peut y aller doucement, les gars. Regarde. Eh oui. Ah, ah. Dommage qu'on puisse pas en enchaîner deux. Ça aurait été marrant. Par contre, quand t'es bouclier, y a pas une histoire de posture, non? Logiquement. Ou alors faire une grosse attaque lourde. On va essayer. Ouais, il me faut un coup de bouclier, le gars. Allez, je le calme tout de suite, celui-là. Hein. On est à 3 sur 5, nickel. Bon, je suis un petit peu lent, mais ça se trouve, là, on peut aller vite. Hein. Attendez, petite bannière. L'ennemi contrôle cette zone. D'accord, bah il faut tuer l'ennemi alors, dans ce cas-là. Allez. Ouais, franchement, il est pas très fort. Hein. Ça peut aller. Hop là. Estocade. Il m'a contré. Ouais, franchement, ça va. Ça se gère à peu près, faut juste pas abuser sur l'endurance. Yes. Oh là là. Magnifique. Ouais, ça se voit quand même que j'ai retiré les démembrements, mais peut-être que je les remettrai, voilà, comme je vous disais. Est-ce que là, on peut maintenant? Eh ben non. Il faut tuer d'abord ceux qui restent. Où sont-ils? Là, il y a quelqu'un. Oh! Pas mal, ça. Il a déjà fait mal d'entrée de jeu. Ça, c'est très très bien. Allez, attaque. Yes! Les combats ressemblent vraiment à quelque chose, hein. Je pense que c'est assez kiffant à voir aussi. Oh non, ça faut l'esquiver. Waouh, et le mec, super fort. Là, j'ai reçu Odachi. Guêtre de samouraï. Ordre public rétabli. Et j'ai reçu également une pilule. Ok. On mon cul. Oh, mon cul! Pardon. Donc, est-ce qu'il faut parler à cette personne? La boule de terre cuite que je vous ai donnée était utile, n'est-ce pas? J'ai d'autres choses en stock, si vous voulez regarder. Alors, pour le coup, ça n'a pas été utile, parce que j'ai même pas compris comment on l'a lancé, donc... Oh, un cheval, ça y est. Fouillé, tiens, attends. Et là, logiquement... Toucher la bannière. Ouais, on a plein d'infos qui arrivent en même temps ce début de jeu. C'est un peu compliqué, tu vois, de tout gérer, de tout... Waouh, de tout calculer, mais... Bannière des lames secrètes. Oui, bah je sais. Sélectionnez une bannière, menu, carte pour vous y rendre instantanément. D'accord. Ok, ok. Ça, c'est bien. Comme ça, on peut se téléporter assez rapidement. Et donc. Là, tu vois, j'ai des petits logos. Excusez-moi, mais... Et à mon avis, il y a une mission secondaire, là. Ouais, ça doit être une mission secondaire à tous les coups. Les affaires doivent reprendre si nous voulons que ce village prospère à nouveau. Mais nos boutiques ont été dévalisées pendant que nous nous cachions. Auriez-vous la gentillesse de m'apporter les ingrédients nécessaires? Sans cela, je ne peux rien faire. Je vois. Je pensais pouvoir solliciter votre aide. Je suis un sacré bâtard quand même. Non mais on va rester sur la quête principale, je ferai ça de mon côté je pense. Vous savez que j'aime bien me garder pour moi personnellement les quêtes secondaires, comme ça au moins je m'habitue au jeu de mon côté, surtout les jeux comme ça. Hein. Alors là vraiment, hyper important. Donc nous disions, révéler des informations sur une zone. Renforcer un lien de zone permet d'améliorer son niveau de lien et de révéler sur la carte des infos cachées qui concernent cette zone. Ramasser tous les objets de collection d'une zone donnée pour recevoir une récompense de collection complète. Ça pareil, hein, je le ferai de mon côté. Vous pouvez voir les taux de collection des diverses zones dans le menu carte ou lien. Ok. Donc alors, je suis à On mon cul. Course auto cheval. La capacité course auto est maintenant disponible. Elle vous permet de voyager automatiquement vers les destinations de votre choix. Sélectionnez une destination dans le sous-menu de l'écran. Ok, ok. Bon, on va s'y habituer. Hein. Pas de problème. Donc là, on a bannière, apothicaire et ici, ordre public. D'accord, d'accord. On doit aller jusque-là. Hein. Donc encore une autre région, Yokohama. Ok. Oh, ça a l'air grand. Alors, je pense pas que la carte va être immense non plus, mais quand même. A voir après si on est rapide à cheval. Normalement, je siffle et mon cheval débarque. Te voilà. Il est tout beau, il est tout propre.
Et il va galoper surtout jusqu'à la fin de ses jours, le pauvre. Ah ! Ou alors mourir au combat. Oui, je vois un peu la vie en noir. Alors, utilisez l'arme secondaire. D'accord. Oh, j'ai failli viser le lapin, dis donc. Est-ce qu'on peut les chasser, les attraper ? Viens par là, toi. Oh, le filou ! Il est rentré en son terrier. Pas gentil, ça. Bon, allez. On avance, on peut galoper. Ah oui, ça va plus vite comme ça. Très très bien. Et donc, ça y est, on est dans le monde ouvert, les amis. Ça y est, on peut se balader, on fait ce qu'on veut. Direction Yokohama. Poussez-vous. Et donc, alors la question que tout le monde se pose, c'est effectivement, est-ce que la Team Ninja nous a concocté véritablement un monde ouvert qui est intéressant, qui n'est pas trop vide aussi? C'est la question. Qu'est-ce que c'est? Oula, j'ai l'impression qu'on m'attend. Ne bougez pas. J'ai l'impression qu'on me provoque en duel. Régler les conflits, aider des gens, entraîne des rencontres fortuites avec les habitants d'une zone, ce qui peut renforcer votre lien avec cette zone. Eh bien, écoutez, vous allez avoir une mort tout à fait fortuite également. Bougez pas. Hop, petit coup de fusil, ça mange pas de pain. Allez, tchuss. Toi, t'es mort. Suivant. Toi aussi. Le gros, là. Il apparaît. Ok, lui, il est d'un autre niveau, j'ai compris. C'est parti, mon grand. Ok, on va observer un petit peu ces différentes attaques. Ok. Voilà, le compte quand il faut, magnifique. Il est fort, hein. Très très fort. J'ai des petits shurikens. Mais tu vois, il esquive quasiment tous mes projectiles. J'ai bien quasiment. Allez, maintenant. On va réussir à le fatiguer. Oh, mauvais timing. Qu'est-ce que c'est dur. Allez. Le finish. Oh. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Vous avez obtenu une pièce en argent. Les pièces en argent servent à réaliser des transactions dans les commerces et auprès d'autres marchands. Elles peuvent également être échangées contre des cadeaux après avoir accompli les tâches de type photographie, etc., etc. Très bien. Alors attends, est-ce que je peux récupérer? J'ai également reçu Naginata, une nouvelle arme. D'ailleurs, tiens, bah faut qu'on regarde un petit peu si on a des... une casquette de chasseur. Ah, bah faut que je regarde dans mes équipements, hein, si j'ai de nouvelles choses que je peux équiper. Attendez. Voyons voir, ça c'est la carte. Ok, d'ailleurs on a ça de nouveau. Ordre public, très bien. Niveau 6, ah bah on n'y est pas encore. Nous on est niveau 1 seulement, on va se calmer. Hein. Et donc au niveau des équipements, là on a eu des missions, tu vois. Ok, donc j'ai bien fait de pas commencer cette mission, elle est niveau 2. Pour l'instant on est seulement niveau 1. Et donc, voyons voir. Ah oh, j'avais pas vu, ah bah d'accord. Carrément, carrément. Bon, par contre c'est une arme lourde, hein, mais ça vaudra le coup de switcher sur elle. Nous avons Naginata à lame large. Ouais, pareil c'est grand, hein. Pareil, c'est vachement grand. Donc pour l'instant, on reste sur le sabre. Ok. Par contre, là, par rapport à l'Odachi, je vais prendre celui qui est à 65. Ça paraît très logique. Hein. Évidemment. Arme secondaire, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ah, mais voilà, la boule de terre cuite. Fallait l'équiper du coup pour la lancer. J'avais pas compris tout à l'heure. Au niveau de l'armure. Alors, j'ai reçu une casquette. Voilà, ça rajoute de la défense. Et un peu de style, c'est vrai. Au niveau... Ah, bah voilà. Tenue de voyageur, récupération de kick ou critique, récupération de PV. Très bien, ben je l'active. Le gantelet, pour l'instant, on n'a que celui-là. 22, les guettes de samouraï. Parfait. Et là, on n'a pas mieux. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons élixir de soins. Ouais, je pourrais le mettre en raccourci. Allez, voilà. Changement de style, hein. Clairement un changement de style assez important. Allez, je vais rappeler mon cheval. Et il faudrait... Ah mais ils m'ont directement dessus. Et il faudrait que j'enlève le sang que j'ai sur mon sabre. Et puis écoutez, c'est parti, hein, direction l'objectif. On a eu un petit contretemps, mais rien de méchant, on est plutôt bien sorti je trouve. Il y a encore le timing des attaques rouges vraiment qui sont pas évidentes à piger. Alors, battez les voyous. Ça le racaille. Alors il y a 5 ennemis. Et apparemment un adversaire redoutable. Ok, on y va doucement. Hein. Oh, des barils explosifs. Intéressant. Salute. Karma. Battre les ennemis vous permet de gagner du karma. Quand votre jauge de karma est à son maximum, interagir avec une bannière des lames secrètes ou terminer des missions vous convertit votre karma. Vous faisant gagner des points de compétences nécessaires à l'apprentissage de nouvelles compétences spéciales. Augmenter votre niveau de karma vous rapporte des points de compétences rares, force, dextérité, charisme et intelligence. Ils sont nécessaires à l'apprentissage de certaines compétences spéciales. D'accord, alors attendez, d'abord. Oh, c'est pas lui que je visais.
Mais pourquoi pas? Non, c'est plutôt lui. Énorme. Eh, mec. Ah, ok. Direct au finish. Énorme. Attends, je récupère ça. Voilà, une petite plante, une petite fleur. C'est pas mal. Tiens, je te fouille toi aussi. Je rebats sur le fusil, il me semble qu'il me reste des... Il me reste une petite balle. Attends, à la limite, est-ce qu'on peut tirer sur les tonneaux? Je tente un truc. Oh oui, ça a fait exploser. Incroyable. Bon bah allez. Ah, un loup. Je commence par lui, c'est le plus faible a priori. Voilà, puis on s'entraînait face au loup juste avant. Hein. Pas de soussaille. On va passer sur les shurikens. Voilà, petit cadeau. Il est presque mort. Je contre. Et je termine. Le mec était retourné. Alors attention, apparemment c'est le chef. Ouais, il serait redoutable celui-là. Oula, bah ça commence mal. Toujours un mauvais timing. Allez. Oh. C'est pas facile. Ouah, j'ai réussi un contre incroyable. Eh, ça commence à rentrer les gars. Ça y est. Ça y est, ça y est. J'ai récupéré un bulbe, comme Bulbizarre. Ordre public rétabli. À Yamate. J'ai reçu des gantelets de voyageurs. D'accord, points d'expérience et gains de niveau. Vous obtenez des points d'expérience en battant des ennemis ou en terminant des missions. Obtenir suffisamment d'expérience permet au protagoniste de monter en niveau, ce qui améliore ses stats, et lui octroie des points de compétences nécessaires à l'apprentissage de nouvelles compétences spéciales. D'accord. Ok, on est passé niveau 2, ça c'est bien. Donc on va aller voir directement sur l'écran. Compétences maintenir X pour apprendre des compétences. Ouais, bon, ça on connaît à peu près. Donc, nous avons la force. Attends, ça c'est encore un autre menu. Style de combat. Vous pouvez voir les informations sur les styles de combat dans le menu style de combat, ok. Voir les stats. Compétences, ok, ok. Bon, ça je verrai au fur et à mesure. De toute façon, on va rester sur les stats pour l'instant. Et donc, dextérité, charisme et intelligence. Alors je pense qu'on va booster un petit peu la dextérité. Attaque sautée au grappin. Ah ouais, on a ça nous? Oh, incroyable. D'accord. Nous avons assassinat rapide, permet d'assassiner rapidement deux ennemis à la suite. Ah ouais, mais ça, ça manque. Allez, direct. Je veux. Ah, je n'ai pas assez de dextérité. Oh, c'est dommage. D'accord. Ah mais oui, je vais prendre ça, apparemment, et ça, mais pas ça. Aïe, aïe, aïe. Dans les airs, appuyer sur X pour infliger les dégâts de ki en tombant sur un ennemi pour la première fois, puis prendre appui sur lui et sauter une fois de plus. Allez, bah tu sais quoi, je prends ça. Ça peut être pas mal. Comme ça, je peux rebondir sur mon adversaire. Eh, hey, on dirait le mec de The Saboteur. Le jeu, si vous connaissez. Bon, j'avoue, c'est la casquette. Hein. Eh bien, allez. Mon cheval, viens par ici. Parce qu'évidemment, moi, je ne voyage pas à pied du tout. Je préviens. Allez, au galop. Ouais, je pense qu'on doit pouvoir monter sur les différents bâtiments. Hein. Donc, attends, est-ce que je me dirige bien? Ouais, ouais, c'est bon. Allez, Est-ce que je peux appuyer plusieurs fois pour qu'il sprint plus vite? Je n'en ai pas l'impression. Ok, bon, ça va, ça passe assez vite hein, avec le cheval. Tiens, nous allons synchroniser, si je puis dire. Lever la bannière. Voilà, karma converti et ça fait un point de compétence supplémentaire. Alors, je vais le mettre où? Rafale de coup critique, ça peut être pas mal. Ça, c'est dans la force du coup. Hein. Eh ben, allez, je prends ça. Pourquoi pas? Permettre d'échaîner un barrage de coups critiques contre plusieurs ennemis dont le ki est épuisé. Ça c'est bien, quand tu les as bien fatigués, bim, tu envoies ça. Nous sommes arrivés. Ishikawa. Où est votre laissez-passer? Personne n'est autorisé à entrer sans laissez-passer. Je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de vos problèmes. Allez donc demander au village du coin. Ok, alors allez au village. Le village qui se trouve dans cette direction. Eh bien allez. Alors c'est vrai qu'en dehors du côté non cinématographique, on est loin effectivement sur ce point-là d'un Ghost of Tsushima. Eh bien le jeu se laisse jouer, il est plutôt agréable, honnêtement. Après avoir si l'open world a effectivement un réel intérêt. Mais c'est vrai que je pense que je vais passer de bonnes heures sur ce jeu. Honnêtement. Après, bien sûr, je pense pas que ce sera le jeu de l'année. Hein. Alors, attention. Là, il faut fouiller le monsieur. Ah, une nouvelle arme.
un arc. Parfait, ça. Les arcs peuvent être utilisés pour attaquer furtivement à distance. Préparer, tirer, les tirs dans la tête infligent des dégâts bien plus importants. Évidemment. Alors, je vais descendre. N'allons pas trop vite en besogne. En plus, ce qui est bien, c'est que j'avais plus de balles de fusil. Donc du coup, je vais aller dans armes secondaires. Et on va changer le fusil par l'arc. Voilà. J'avais pas autre chose côté arme principale, là. Katana. Attends, il faudrait prendre le katana, les amis. Parce que nous, c'est vrai qu'on est spécialiste avec notre classe plutôt de cette arme-là, quoi. Ouais, donc là, c'est super. Au niveau de l'armure, j'ai également des nouveaux gantelets. Ah, ça, c'est bien, le côté action RPG, le côté un peu hack and slash, tu vois, avec plein de nouveaux accessoires tout le temps, toutes les 15 minutes. J'adore. Donc, voyons voir. Maintenant, bim, je passe sur l'arc et on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça one-shot comme le fusil? Eh bien, oui. Ça, c'est bien. Alors, j'aimerais bien prendre de la hauteur, à la limite, ce serait bien. Bon, lui, il m'a vu, hein, de toute façon, donc... allons-y, quoi. Attention! Allez, vieux. Normalement, je peux te sauter dessus et rebondir. Oh, trop bien! Attends, mais sur les boucliers, c'est peut-être la boss trap, ça. Je vais briser le bouclier, nickel. Ouais. Alors là, je pense pas qu'on puisse tout de suite contrôler la zone. Attends, on recommence. L'arc. Oh, ça marche trop bien. Là où je l'ai vu, il y a aussi un arc. Parfait, comme ça je suis peinard. Et là, regardez, je pense qu'on peut... Voilà, on peut s'accrocher. C'est bien, ça. Tiens, je vois deux mecs qui sont là-bas. Je vais juste faire sauter le chapeau. Attends, je vais redescendre. Pas de problème. Oh, il y a un loup. Oh, il y a un loup. Hop là. Allez, t'as vu l'esquive un peu? Quel pro. Je commence par lui parce que c'est plus facile. Comme d'hab, hein. Je commence toujours par le plus facile. Et après, on garde le patron. Allez, viens. Ouais, pas évident, effectivement. Toujours. J'ai du mal, en fait, à bien observer les attaques qu'il va me balancer. Là, tu vas toujours trop tôt. Je me précipite. Vas-y. Yes. Bon, ça va rentrer. On finira bien par y arriver. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, je t'ai rushé, mec. Joli. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a un mode multi sur ce jeu? Je suis même pas au courant. Il me semble qu'on peut y jouer en coop, mais je suis pas sûr. Là, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Hein. Ouais, à vérifier. Donc alors, est-ce qu'il reste du monde? Ouais, normalement, il reste un ennemi, les amis. Faut que j'avance. Ouais, je vois quelqu'un, là. Je vois quelqu'un là-haut, regarde. Hop là. Oh. Ah, ça l'a pas fini. Dommage. Si je fais ça. Voilà, c'est bon. Énorme. Et la zone est désormais pacifiée et libérée. J'ai récupéré un bulbe. Très bien. Bon, dis-moi par contre qu'il y aura des vraies missions principales que des libérations de zones comme celle-là. La bannière. Voilà, comme ça au moins on reprendra d'ici si jamais on a un souci. C'est parfait. On doit parler au chef du village. On a bien fait le job. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai bien cru que mon heure était venue. Des bandits! Ils ont attaqué notre village sans crier gare. Maudit soit-il! Mais grâce à vous, tout le monde est sain et sauf. Nous allons pouvoir rebâtir notre village. Laissez-moi récompenser vos efforts. Les bandits ont entassé leur butin dans la grotte en haut de la colline. Allez donc y jeter un coup d'œil. Vous pourriez y trouver quelque chose d'utile. Qu'en dites-vous ? J'imagine que vous n'avez pas pu franchir le poste de contrôle. Vous y trouverez sûrement un laissez-passer. Vous devriez vous dépêcher si vous avez besoin d'un laissez-passer. Vous n'êtes pas le seul renin dans cette situation. J'ai bien reçu le message. J'ai bien écouté, on n'a pas le choix. Direction la grotte pour trouver la récompense et le laissez-passer. Allez, c'est mon cheval ? Non, je crois pas.
Bon, je suppose qu'on pourra en acheter d'autres, hein. Mais pour l'instant, celui-ci me convient bien. Alors, dans quelle direction? Ah bah du coup, c'est par là-bas, hein. Ouais, je pense que c'est le petit curseur rouge. Ne nous trompons pas de chemin. En tout cas, ouais, c'est plutôt joli, mais c'est le côté Japon, hein, comme je le disais, avec les arbres comme ça, de couleur. Moi, je trouve ça vraiment agréable et dépaysant. Par contre, peu de musique, hein, tu vois, on est vraiment sur une ambiance très très calme. Ok. Bon, apparemment, faut continuer à pied, hein. Tu m'attends ici, mon beau? Je reviens vite. Hein. Et si je reviens pas, bah... tire-toi. Alors. Ok, il y a du monde. Salut les gars. Ah, il est en posture haute, lui. D'ailleurs, eh ben attendez, on n'a pas entendu parler des postures encore. Enfin, j'ai posture haute, mais ça se trouve, j'y connais rien, moi. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Ghost of. Hein. Tsushima. Ok. Calmez-vous, là. On est dans les fougères, je vois plus rien. Oula. Attendez, je suis un petit peu pris dans le coin du ring, là. On va essayer de s'en sortir. J'ai dit, on va essayer de s'en sortir. Je prends du soin. Wow, mais attendez, mais vous allez vous calmer, les gars, là. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il suffit, maintenant. Je sais plus où je suis. Alors, je suis censé pouvoir leur sauter sur le Bulba. Ah, mais c'est brouillon, par contre, hein, la vache. Wow. Allez. En même temps, c'est une grotte, hein, donc c'est un peu serré. Savent pas quand s'arrêter. Il me semble que toi aussi tu as beaucoup de choses à raconter. Très bien. Viens donc avec moi. Veux-tu? Par ici. Par ici. Allez. La sortie doit être... par là. Je sens un courant d'air. Ce pistolet est remarquable, n'est-ce pas? Un ami me l'a rapporté de Shanghai. Le monde est sans dessus-dessous depuis l'arrivée des navires noirs. Qui sait ce qui va devenir des samouraïs? Si nous n'acceptons pas les meilleurs aspects de l'Occident, nous serons dépassés. Qu'est-ce que je disais? C'est la sortie. Reste avec moi et tout ira bien. J'étais dans cette grotte à la recherche d'un laissé-passer quand ils ont surgi de nulle part. Je sais que j'ai quitté mon clan, mais de là à me traquer comme ça depuis tout ça... Être un Ronin est une libération, mais je me demande parfois si ça en vaut la peine. J'ai du mal à croire qu'on t'ait attaqué ici aussi. J'ai l'impression que ce vieil homme nous a raconté des histoires. Enfin, le monde est comme ça. Les gens vendraient leur mère. Ah, c'est ici. L'endroit où je voulais te conduire. Alors tu vas à Yokohama, toi aussi? Sans laisser passer? Ça risque d'être difficile. Si t'en cherches un, je connais quelqu'un qui en a sûrement. Il est à la tête d'une bande de voyous qui occupe la maison du magistrat local. Ces bandits volent tout ce qui n'est pas cloué au sol ou au mur. Il doit avoir des gros bras qui le protègent, j'en suis sûr. Mais tu m'as l'air de savoir te défendre. Alors, tu veux aller subtiliser quelques laissés-passer ?
À la bonne heure. Je savais que tu avais du cran. Alliance et partenaires. Certaines missions peuvent être effectuées avec des partenaires dont les compétences uniques vous aideront à progresser dans le jeu. Faire équipe avec votre partenaire que l'icône indique renforce grandement votre lien avec ce personnage. Appuyez sur R2 pour afficher une liste priorisant vos partenaires favoris. D'accord. Le réglage des alliés peut être automatisé depuis menu système. D'accord. Ok, donc c'est carrément un menu de mission, quoi. Sélectionner des partenaires. Donc là, pour le coup, j'ai pas le choix, hein. C'est le Ronin excentrique. Ok, ok. Je m'en prends un autre, non? Non, pour l'instant, on a que lui, et on voit d'ailleurs ses stats. Hein. Regarde, il est plus du côté charisme. Ça ne m'étonne pas. Bon, allez. Et on peut jouer en coop. Voilà. Mais nous, bien sûr, on est en solo. À mon tour de briller, hein? Début de la mission, tombée de rideau, levée de rideau. Vous avez formé une alliance avec une personne qui est liée à vous, appuyez sur L1, plus la flèche du haut pour changer de personnage. Voilà. Donc c'est comme dans l'intro avec la demoiselle. Vous pouvez changer de partenaire et demander de l'aide aux autres joueurs via la bannière des lames secrètes. D'accord. Bon, allez, on y va. Alors par contre, je sens qu'on va devoir être discret. Hein. Ouh là là. Ouais, parce qu'effectivement, foncer tête baissée, c'est pas toujours l'idéal. C'est grand. Je me demande où leur chef est allé se terrer. Il y a un petit air de Sekiro quand on s'accroche comme ça. Alors attendez qu'il se retourne. Tu me fais peur, vieux. Reste cool. Allez, je pense qu'on peut y aller. Objectif d'exploration. Pendant certaines missions, l'icône s'affiche pour indiquer la proximité d'un objectif. Approchez du point pour entrer en mode exploration. La boussole devient alors jaune. Approchez de l'objectif pour faire apparaître l'icône rouge. Quand vous explorez, mieux vaut commencer par les endroits louches. Attendez, alors moi je voulais monter, mais je me dis que si on va dans les hautes herbes, on peut peut-être la voir discrètement, sans se faire repérer. Il y a peut-être moyen, les gars. Alors. Eh ben oui. Oh, c'est parfait. Incroyable. Redoutable. Je sais, je sais. Alors, je le fouille vite fait. Là, on peut monter par ici. On va essayer de pas se montrer par l'autre qui est devant, là. Peut-être qu'on peut le contourner par l'arrière. Ok, alors là, si on y va tout de suite, on va se faire défoncer parce qu'ils sont plusieurs. Par contre, tu vois, c'est pas comme certains jeux où on peut, effectivement, regarder vraiment, comment dire, regarder vraiment où sont les ennemis à travers les murs. Là, vraiment, il faut, faut faire attention, quoi. Alors, si je descends là... Ah, je sais pas du tout où je vais. Je sais pas s'il y a des ennemis. Là, on peut sûrement traverser. Tu m'as fait peur. Mais gros, t'es fou. Alors, il y a un mec un peu plus loin. Mais normalement, il doit y avoir le mec dehors, là aussi. Eh ben voilà. Lui, on n'en parle plus. Redoutable. Je sais, je sais. Alors, attends, je vais remonter par là. Et je pense que les trois, on va se les faire... voilà, assez rapidement. Par contre, j'espère qu'ils ne sont pas redoutables. C'est surtout ça. Assassinat aérien. Oh oui. Vous pouvez aussi assassiner des ennemis en vous approchant discrètement d'eux par au-dessus, et donc c'est avec triangle. Ok. C'est parti. Oh oui, monsieur. Ah, j'aurais pu l'enchaîner, apparemment. Ah bah, ce que je viens de faire. Ok. Allez. Ok. Il y en a encore un qui est en vie, par contre. Ah, mais il y a lui aussi. Je croyais qu'il était mort. Attendez, je vais passer sur les shurikens. Voilà. Allez, tous ensemble. Tous les deux. Pas mal. Finish. Ah bah, je voulais. Oulala. Allez, maintenant. Hop là. Impeccable. Eh ben, on gère plutôt bien. Par contre, faut trouver le chef des bandits. Là, c'était que des petits sous-fifres, apparemment. Ouais, ouais, on aurait pu la jouer, je pense, encore plus en discrétion. Hein. Tu sens qu'il y a un potentiel de maîtrise bien supérieur. Bon, on verra pour les armes et tout qu'on récupère. Par contre, c'est intéressant peut-être de regarder, est-ce qu'on peut changer l'équipement en pleine mission? Activer les missions, sélectionner une mission à laquelle prendre part. Ok. Bon. Et c'est une mission de niveau 2, hein. Attention. Est-ce qu'on a mieux, là? Ah ouais, j'ai un katana 55. Eh, mais attendez, faut changer souvent, hein. Vraiment. Et l'arme secondaire, pour l'instant, que je n'ai pas utilisée, hein, c'est vrai. Ici, j'ai pas mieux. Là, je suis à 15. Là, toujours 23, hein, pas de changement. Ok.
Et de ce côté... Oh, un chat porte-bonheur. C'est marrant, ça. Ok. Ok, on ramasse un max d'objets. Remède de puissance. Vous obtenez un objet de renforcement appelé remède de puissance. Utilisez un remède de puissance, augmente vos dégâts pendant certaines durées. Assignez-le à un arsenal. Ok, ok. Alors, je pourrais faire ça, mais j'en ai pas forcément besoin, si. Si. Allez, on va essayer. Donc, objet. On va le mettre à droite, plutôt, là, ouais. Je vais mettre, donc, ce remède de puissance. J'en ai qu'un seul, hein. Voilà, pendant une certaine durée, je sais pas pendant combien de temps, mais... Is ok. Allons-y doucement, hein. Il y a des ennemis sur mon radar. Oh non. J'en ai un en face, apparemment. Ah bah, je suis repéré, les gars. Je suis repéré. Ah bah, comme ça. Attention. Efficacité des styles de combat. Les styles de combat... sont tous efficaces contre les armes différentes. Efficace, inefficace, d'accord. Le style Mumio du protagoniste est inefficace contre les Odachi, mais le style du Ronin excentrique est efficace. Le combat sera donc plus facile si vous changez de personnage. D'accord. Moi avoir compris. Donc là, je passe sur lui, contre lui. Voilà, c'est plus efficace, tu vois ça en bleu. Aïe aïe aïe. Par contre, du coup, je suis pas habitué à ces moves, hein. Oh là là. Il est en train de me défoncer. Pas si efficace que ça, mec, hein. Ah, il a un gun, lui. C'est énorme. Ok, protection. Ok, ça va. Non, ça va pas, faut que je me soigne. Ah, oh, bah, je suis mort. Ok. Ok, vite. Dépêche-toi. Secours-le, nickel. Faut qu'on reste en vie, les gars. On va y arriver. Joli, Ken. Oh, que c'est dur. Allez. Oh, j'aurais dû faire un finish. Attends, je repasse sur l'autre. Maintenant. L'autre, il me fait chier, là, avec son... C'est lancé, là. Attendez. Tire, tire. Voilà, c'est bon. Ouh. Chef ennemi battu. Il était chaud, celui-là, hein. La vache. Attends, je switch. Lui, apparemment, ça va. Waouh, 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 waouh. J'ai reçu l'effet double. Trop cool. Allez, viens. Ouais. Voilà. Wouh. C'est pas facile, pas facile, mais ça va venir. Allez, on lève la bannière. Il nous reste encore deux ennemis redoutables. Ok. Et est-ce qu'on va survivre? Ah, c'est un marchand, ça. Vendeur clandestin est un marchand qui vend des objets spéciaux contre des pièces en argent. Tiens, j'en ai récupéré, d'ailleurs. Donc, admettons. Acheter, qu'est-ce que tu as? Flèche. 7 sur 8, 9 sur 10, d'accord. Les shurikens, ouais, je vais en reprendre un peu, d'ailleurs. Alors, il m'en faut... Encore 4, s'il te plaît. Voilà, comme ça, je suis à fond. Également, on peut lui demander remède de puissance, etc. Élixir de soin. Bon, là, pour l'instant, ça va suffire, en vrai. Quoique, bah, je vais reprendre un peu de soin. Non. Attends, c'est lequel que j'ai, moi? C'est remède de... Non, ça doit être ça, hein. Ouais, je pense. Je m'en prends qu'un seul? Ah, d'accord. Ce sera tout. Artisanat, c'est quoi? Ah, c'est la fabrication. D'accord, des flèches, élixirs. Ah bah, ok. Je peux pas en avoir plus, hein, de toute façon. On peut également améliorer l'équipement. Ah, ça, c'est intéressant. Mais là, pour l'instant, je peux pas améliorer ça. D'accord, bonus d'ensemble. Ah, il y aura aussi une histoire du bonus d'ensemble. On peut désassembler, on peut vendre des choses. Ok, bon, on verra ça plus tard, là. Je pense pas que le jeu nous invite à regarder ça bien plus. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Attends, je vais retoucher la bannière juste pour être... interagir avec une bannière des lames secrètes, mais d'accéder au menu de préparation de combat. Ouais, d'accord. Ça me va. Et donc, il me reste deux ennemis redoutables, on est ok. Hein. Où sont-ils? Ah bah j'en ai deux là déjà. Tiens, attends, je passe sur l'autre. Non, c'est pire avec l'autre apparemment. Ouais, c'est pas mon avantage. Comment on va se défaire? Moi je dis on y va doucement dans les hautes herbes. A votre avis, est-ce que ce sont des hautes herbes? Bah non. Je suis repéré direct. Oh, c'est pas cool les gars. C'est pas cool du tout ça. Allez, je vais commencer par celui qui envoie les petits projectiles là. Allez, je vais te traquifier vite fait bien fait. Voilà, c'est ce que je disais.
Attends, je passe sur l'autre. Bon, ça va, ils sont pas très forts, eux, hein. C'est pas des ennemis redoutables du tout. Je vous le dis. Oulala. Oh, il est pas bien. Oh, il est pas bien. Je me soigne vite fait. Et voilà, le coup fatal. Bon, ça c'est fait. Du coup, on va monter un petit peu. Toi. Attends, mais c'est automatique? Ah ouais, les enchaînes. Oh, mais c'est trop marrant, ça. D'accord. Par contre, j'ai l'impression... Alors, en fait, j'ai cette impression d'être dans le mode Legends. Tu sais, le mode multijoueur co-op, genre de Ghost of Tsushima. Alors, battez les adversaires redoutables. Ah, là, par contre, c'est plus costaud, les gars. Ah oui. Lui, il va être tendu. On le sent bien. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, il est énervé. Le style du Ronin excentrique est efficace contre les Odachi. Ok, faudra que je change. Effectivement. Et donc mon perso sert plus à rien, quoi. Aïe 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 aïe. Grosso modo, mon perso sert plus à grand chose. Allez, tire. Allez, encore, encore, encore. On va tout casser, il s'appelle Gonzo. Allez. C'est bien, mec. On y va. Ouh là là. C'est dur, c'est dur. Alors, faut se remettre. Attaque, mon grand. Oui. C'est pas mal. J'ai plus de balles, par contre. Non. Soin. Il m'en reste encore 8, ça va. Ah, c'est chiant de pas avoir de balles du tout, hein. C'est bien. Non, mais c'est un boss, hein, carrément. C'est vraiment des ouf, hein. Eh ouais, mec, j'ai du cran. Allez, maintenant, coup critique. Génial. On y va. Tous les deux ensemble. Je sais pas si c'est cool de bourriner comme ça, hein. Pas sûr. Allez. Non. Oh, il est chaud chaud quand même, hein. Allez, mec. Putain, c'est chiant par contre qu'on a plus du tout de... Allez. Je récupère du ki une fois de temps à autre. Oh non, il mange. L'enfoiré, il a repris de la vie, non? T'y crois, toi? Voilà, vaut mieux assurer. Ouais, fais gaffe, mec, hein. Il est fort, lui, hein. Allez, go. Non, tire-toi. Il est mort. Aïe aïe aïe, c'est chaud, les gars. Ok. Arrête de le loquer, s'il te plaît. Réanimation, je me tire. Allez, go. Shuriken. J'envoie tous les projectiles, mec. Je remets sur l'autre vite. C'est bien, c'est bien. Allez. On fait baisser sa vie, c'est pas mal. Waouh, c'est incroyable. Mais j'ai plus de balles avec lui, hein. C'est vrai que par contre ça... Attends. Puissance. Voilà, ça va augmenter ma puissance, les gars. C'est censé augmenter la puissance pendant quelques temps. Là, bien joué. Oh. Ouais, je confirme, ça va plus vite. Attention, il tournoie. Eh, tu te crois dans Beyblade ou quoi, toi? Allez. Oh non, il est mort! C'est pas vrai. Shuriken, vite. Termine-le. Ouais, il y est presque, les gars, il y est presque. Attendez, j'assure. Vite! Merci beaucoup. Merci beaucoup, de rien. Maintenant. Oui! Ça, c'est fait. Niveau 3. Attends! Oh, pitié! Me tue pas! Ah, la mort ou la vie? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Je sais! Je peux te donner la clé de notre entrepôt! Toutes les choses qu'on a pillées se trouvent là-bas! Alors t'as qu'à aller prendre ce que tu veux! Et puis, il y a ce Karakuri qu'on a récupéré! J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je parie que ça vaut cher!
c'est la vérité, jurez. Oh, merci. J'oublierai pas ta clémence. Bon, si tu veux rien d'autre, je vais m'en aller. Comme ça, au moins, tu pourras raconter ma légende. Alors, par contre, j'ai raté le truc optionnel. Mais en même temps, comment tu veux savoir? Parce que t'as pas de carte bien précise, tu vois, dans l'emplacement des trucs. Tant pis. Remède de puissance. Ok. Oh mon cul, quelqu'un est en danger. Tu as vraiment laissé leur chef s'en tirer? Et tu l'as cru? Comme c'est attendrissant. Enfin. Du moment que nous trouvons des laissés-passer. Tu as obtenu la clé de leur entrepôt, non? Bien. Allons y jeter un coup d'œil. Je pense savoir où il est. Allez, suis-moi. Ah, tu vois toujours tout en noir. Ils doivent avoir amassé illégalement des tas de trucs. Et, si je ne me trompe pas, ces laissés-passer y seront aussi. Espérons, espérons. Comment je rentre? Juste comme ça. Alors, je prends tout, bien sûr. Bah si, ça valait le coup quand même. Bien sûr. Bon après, si je l'avais tué, bon, peut-être que... J'aurais pu venir aussi. Alors, tu as trouvé des laissés-passer? Tu pourrais m'en donner un. Ce papier ne m'ouvrira pas seulement les portes de la ville. Non, il mettra notre pays tout entier sur la voie d'un avenir radieux. Un avenir que je compte bien aider à forger. Tu sais, j'ai l'impression que nous nous reverrons. On se donne rendez-vous à Yokohama? Tu y trouveras une tour d'horloge dans le style occidental. Je t'attendrai là-bas. Si besoin, demande autour de toi si quelqu'un veut Ryoma Sakamoto. C'est mon nom. Bon, à bientôt. See you soon. Les fils du destin. Ok, donc fin de la mission, lien établi avec Ryoma. Impeccable. Donc c'est la première mission avec un autre terminé. C'était sympa. Établissez des liens et renforcez-les en interagissant avec des personnes qui ont de grandes ambitions. Renforcez vos liens avec des personnes qui vous procurent toutes sortes d'avantages. Vous pouvez consulter le statut de vos liens et les avantages qu'ils procurent dans menu liens. Ok. J'ai reçu un planeur. Ah mais oui! Le fameux planeur qu'on voit dans les trailers. Chapeau d'ouvrier, tenue de travail occidentale. Alors attends, je vais voir si je peux l'équiper, ça vite fait. Alors, nous avons pas mieux au niveau des armes. Par contre, j'ai récupéré épée double. J'adore, on récupère plein de choses. Du coup, attends, c'est quoi ça au fait? Ouais. Arme secondaire. Rien reçu de mieux. Ah oui, au fait, le chapeau. Pas mal. Pas mal, pas mal, chapeau d'ouvrier. Alors, c'est un style après. Tenue de travail occidentale. Attends, c'est du gold? Oh, c'est. Ah, mais ça va avec le chapeau! Oh, mais oui! Oh, mais tellement bien! 24, donc bottes d'équitation. Ok. Et là, on a eu ça. Sac porte-bonheur de protection. Allez, je prends ça. Les objets, bon, on va rester comme ça. Impeccable. Et donc, pour le planeur. Planer en sautant d'un endroit surélevé. Ceci vous permet de planer dans les airs. Planer consomme du ki en continu. Ok, diriger, ralentir, déployer, replier les ailes. Très bien. On y va. Bah, attends, en sautant... Maintenant? J'ai pas compris. Ah mais attends, faut appuyer sur X. Ah mais oui! Énorme. Alors on ralentit en appuyant sur L1. D'accord, ça replie un peu les ailes. Waouh. Bah c'est le poste de contrôle de Yokohama. Trop trop bien. Et admettons... Ah ouais d'accord, mais ça replie directement dans les airs. Et là on pourra attaquer les ennemis depuis justement le ciel. Approchez, approchez. J'en ai pour tous les coups. Très belle affaire, hein. Vous pouvez me faire un rabais. Bonjour, avez-vous des suites? Les temps sont durs, vous savez. C'est s'il vous plaise. Allez, dépêchez-vous. Ils sont là.
Excusez-moi. Attention. Pardon. Tout est clair maintenant. Les nations occidentales nous surpassent de loin en termes de puissance. Si nous ne les rattrapons pas, nous sommes condamnés. C'est pourquoi nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter un véritable changement. Coulez vite, ces navires ! Ces loups sont venus chasser sur la terre ! Taisez-vous maintenant ! Franchement, n'es-tu pas d'accord ? Eh bien, la théorie est toujours bien plus simple, tu ne crois pas ? Calmez-vous, d'accord ? Il est difficile de reprocher au Haut Conseiller de faire arrêter ce genre d'énergumène. Ces méthodes seront impopulaires, cela dit. Vous allez me mourir de chair ! Un peu de tenue ! Les navires noirs sont de retour, à la recherche d'un accord commercial entre l'Amérique et le Japon. Ceux qui sont appelés à façonner l'avenir du Japon se réunissent dans un Yokohama en pleine effervescence. Très sympa, on commence à voir les personnages importants. Je suis pas certain de mon look encore, tu vois, je pense que je me cherche. Merci encore à tous, on se retrouve très bientôt demain logiquement pour la suite de ce let's play de cette belle aventure sur Rise of the Ronin. Honnêtement, j'aime bien le jeu. C'est vrai que visuellement, on est sur quelque chose qui est un peu poussiéreux, un peu daté, mais là, regardez par exemple, il se dégage quelque chose. Et merci encore à tous de penser à laisser un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Allez, à très bientôt, ciao ciao.